Et avec l'arbitre italien Maurizio Mariani qui dans quelques instants va libérer les deux équipes, couleur traditionnelle pour Lille bien évidemment, couleur tout de blanc vêtu même pour les merengues, ça c'est presque du classique pour ce qui se fait de mieux en Europe avec 15 Ligues des Champions et on le disait tout à l'heure hein, à part Hendrik qui découvre l'Europe, à part Mbappé qui a joué une finale et qui l'a perdu avec le PSG, tous les autres joueurs disponibles pour Carlo Ancelotti ont au minimum remporter une Ligue des Champions. C'est parti, le coup d'envoi est donné avec Valverde qui la donne derrière cette première balle pour Militao. Première diagonale sur le côté gauche pour aller chercher dans l'espace Bellingham qui s'était déjà démarqué avec le jeune Boadi qui fête ses 17 ans ce soir, qui dégage le ballon. Attention, premier contre de la part de Diakité. C'est lui qui est venu justement, Boadi, chercher ce ballon dans les pieds de l'attaquant Vinicius. Sur le coup franc de Zegrova, on était à la 44e minute. S'il va voir, c'est une bonne nouvelle. Il va voir. Ça veut dire qu'il y a vraiment le doute. Et que s'il y a le doute chez les assistants vidéo, il va y avoir le doute peut-être aussi dans l'esprit de l'arbitre. Et qu'il va aller voir de lui-même, corriger et mettre pénalty pour les Lillois. Manu, il y a pénalty pour toi ou pas? Parce que la main n'est pas hyper décollée. Ouais. Non, mais elle prend la direction du but. Donc... T'as raison, avec l'angle opposé. Autant pour moi, Manu. Nous, on a vu qu'une seule image, c'est-à-dire de face, il revient et il y aura pénalty. Il y aura pénalty. On avait vu que la caméra de face, Manu, tu avais raison. Il y avait le poignet droit qui était juste en protection, mais c'est bien le bras gauche qui a touché le ballon sur le coup franc de Zegrova de la part de Camavinga. Pénalty à venir. Pénalty à venir. C'est un but important à venir. Le pénalty, la course d'élan. Le contre-pied parfait. Et Lille mène 1-0 face au Real Madrid à quelques secondes de la fin de la première période. Incroyable ambiance ici au stade Pierre Mauroy. La folie des 50 000 personnes. Tout le monde est heureux. Il la met au fond. Oh, c'est un exercice où il est très bon. Il y a deux saisons, il en a mis 10 en championnat de Matan David. Et là, il prend à contre-pied Lille. Lille qui mène 1-0. Lille qui a eu la meilleure occasion juste avant la 25e par Jonathan David. Et bien, il a marqué 1-0 pour Lille. Ils sont en train de péter les plombs, là, les joueurs du Real Madrid, avec Diakité, tête presque contre tête, front contre front presque, avec Rudiger. Quelle explication! Et Diakité qui laisse tomber. Je crois qu'il lui a dit, tu sens mauvais de la laine. Un truc comme ça. Et il prend un carton jaune. Allez, il prend un carton jaune. Allez, voilà. Allez, hop, petit coup d'épaule, Rudiger. De toute façon, Rudiger, ça sert à rien, vous ne vous verrez pas, il n'y aura pas de match retour. Hein. Donc, dans la nouvelle formule, il n'y a qu'un seul match ce soir entre Lille et le Real, et Lille est au rendez-vous, et le public aussi. Entendez-le, Modric pour frapper le coup franc qui va être dégagé. L'arbitre a regardé son chronomètre, Benjamin André a déjà levé les mains. C'est fini, c'est terminé. Lille s'impose 1-0 face au Real Madrid après septembre 2018. Où il avait dompté City, Pep Genesio avait réalisé quelque chose d'énorme en octobre 2024. Il a tout simplement maîtrisé le Real Madrid d'Ancelotti. Carlo Genesio, ce soir, a gagné la partie. C'est impressionnant. Il avait éteint Pep Guardiola, il a éteint ce soir Ancelotti. Mourinho cet été. Mourinho, mais n'oublions pas, Manu Petit, tout le monde, n'oublions pas, un homme dans le match. Qui a survolé Chevalier, le match, Chevalier, Lucas Chevalier, le gardien, mais qui a été l'équipe, Chevalier et David.